Bien bonjour à tous, ici Drake Le Gant 31, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit gameplay live sur Injustice, les dieux sont parmi nous. Alors, premier combat, enfin ça va être le seul combat en fait, c'est que en fait, je fais beaucoup d'en fait, dis donc, c'est que Geoffrey Moray m'a demandé de faire un petit combat avec les commandes de Ares contre Flash. Alors, aussitôt fait, je vais essayer de faire honneur à Ares. Alors, l'arène, c'est Thermopyle. Je vais essayer de faire en sorte de réussir. Non, je peux pas activer quoi que ce soit. Ce n'est pas grave, donc c'est parti. Ah ouais, il ralentit le temps, cet enfoiré. Voilà. Alors je suis pas un grand joueur de ce jeu, vu que je vais peut-être utiliser... Ah oui, il est fort quoi. La difficulté je l'ai mis en mode moyenne, pour être un peu plus, on va dire... Pourquoi je n'arrive pas? Pour que ce soit un peu plus, on va dire, délicat à gérer. Donc là je vais me prendre une grosse volée, ce n'est pas grave, je le ferai en deux combats. Alors c'est très intéressant, parfois j'arrive à la faire, des fois non, pourtant j'appuie bien sur les mêmes boutons. Donc ce n'est pas grave, c'est un échauffement, vu que ça fait très longtemps, je vais vous avouer que ça fait un bon moment que je n'ai pas joué avec Ares. Je crois que j'ai essayé une seule fois et je n'ai pas fait un combat entier, c'était juste pour savoir sur quoi je m'attendais. Donc j'ai à peu près enregistré, on va dire, les techniques. Marrant, je ne peux pas utiliser les lions, pourquoi? Ah, peut-être parce que c'est les lions qui crachent les flammes, peut-être. Alors, de ce que j'ai en... De ce que j'ai compris, c'est que les techniques de Ares sont, on va dire, similaires à celles de Reptile dans Mortal Kombat 9. Bon, je fais les mêmes techniques, mais comment je... J'arrive pas à le rendre invisible, bon, c'est pas grave, parce que j'ai vu qu'on pouvait le faire. Alors je vais essayer de le tuer avec à la fin une technique spéciale. Il ne l'a pas enregistré. Bon, ce n'est pas grave. Je la ferai à part pour montrer à quoi ressemble, on va dire, l'attaque spéciale de Ares. J'essaierai. En même temps, on va le recommencer une petite deuxième fois. Ça fait jamais de mal de foutre sur la gueule à Flash. Place au dieu de la guerre. Ah, c'est marrant. Il était déjà tourné avant même que je n'arrive. C'est vraiment rigolo. Tiens, tu voulais l'arbre, je te le donne. Voilà. Recule, humain. Ah, pas mal les coups de punch. Joli coup.
Assis-toi. Alors comme vous pouvez voir, on voit les dégâts qu'on a subis sur nos personnages. Donc c'est vraiment, vraiment très sympathique. Comme ça on voit un peu les deux fins de nos personnages. Ah, je l'ai fait vraiment mal quoi. On voit vraiment les dégâts, c'est vraiment assez sympa. Ah, j'ai monté d'un level 39. D'accord. On passe à l'armure des archives. D'accord. Ok. On voit vraiment. C'est vraiment assez sympathique, moi je dois dire. Comme là on peut voir, c'est vraiment mais très sympa. Moi vraiment, je vous le conseille ce jeu. C'est vraiment un pur bonheur de jouer un jeu de combat avec un graphisme pareil. C'est vraiment un truc de ouf. Moi je suis conquis moi par ce jeu. Vraiment. C'est vraiment sympathique. Il y a plusieurs modes. La campagne solo est. C'est que du pur bonheur. Les cinématiques sont même pas petites, elles sont plutôt longues. Donc voilà, c'est vraiment un peu comme un film. L'OST, quant à elle, elle est épique. Vraiment, moi, je me suis éclaté à jouer ce jeu, à le finir. C'est vraiment un pur délice. Bon mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde !